Pour les pommes précoces, en revanche, il est déjà l'heure de la cueillette à Rosfel dans le Bas-Rhin. Le pressoir a ouvert ses portes ce matin. C'est le premier à ouvrir dans le département aussi. Ils étaient nombreux à amener leur production et une équipe de septuagénaires pur jus. Reportage Cécile Pour, Valérie Russouri. C'est le premier pressoir à ouvrir ses portes dans le Bas-Rhin, celui de Rosfel, déjà pris d'assaut. Des clients pas forcément pressés, mais des pommes pour sûr. Précoce. J'ai un verger familial et du coup ça me permet d'utiliser les pommes qui sont précoces et de faire du jus. Autrement, si je ne ferais rien avec, elles seraient perdues rapidement. Précoce, les bénévoles de l'association qui gère le pressoir le sont un peu moins. Alors Roger, la moyenne d'âge là de la société? La moyenne d'âge c'est 70 et plus. Hein. Nos seniors ont la pêche et ça vaut mieux. Dans une chaleur écrasante, défile un client toutes les 20 minutes, soit 1100 kilos de pommes à presser d'ici la fin de la journée. Quand même, oui. Il ne faut pas être au stress tous les jours, mais là, une fois par tous les 2-3 jours, ça entretient la forme. Ceci dit, ça a l'air sportif, hein, ces journées quand même. Ça a l'air sportif quand les clients défilent avec des grosses quantités. C'est assez sportif, oui. Ils sont 170 arboriculteurs dans l'association. 10 sont réquisitionnés dans le pressoir aujourd'hui. Chacun à son poste, avec roulement. Sauf Martin, 84 ans, indéboulonnable à la compta. Le geek de la bande, le pro du tableur. Et vous qui avez fait les feuilles de calcul Excel? Oui. Oui, le chaînage, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui, automatiquement le retrouve sur l'annuel. Et donc à n'importe quel moment, et puis là c'est une feuille que je bloque pour éviter que n'importe qui puisse faire des bêtises. Hein, hein? Neuf, oui. Neuf bouteilles, il y a de chez nous. Ici, tous vous le diront, une pomme par jour, c'est la santé. 60 000 kilos en 2 mois, que durera la saison de pressage? Qu'est-ce alors? La jouvence.